Bonjour, nous allons essayer de vous faire découvrir de quelle façon se réalise la publicité sur un tram des transports publics Jumbo. Alors ce qu'il est intéressant à savoir, c'est que la première démarche dans la conception d'un tram passe, pour la plupart des cas en tout cas, par une maquette manuelle, une maquette avec une recherche graphique et parfois même artistique. Donc là, on est dans la phase mise en application. On a dépassé le stade de l'esquisse, qui était le stade de la recherche, de la disposition des éléments. On s'est rendu compte qu'il y avait une multitude de propositions qui ont été préparées, qui ont été imaginées, qui ont été faites, réalisées. Et maintenant, on va s'approcher gentiment d'un graphisme qui commence à être abouti. Et c'est au client qui devra choisir finalement les différentes propositions. Et il va disposer, j'imagine, de 2 ou 3 ou 4 propositions en fonction véritablement de l'inspiration des créatifs. Disposition des éléments, emplacement, recherche de l'emplacement, du meilleur emplacement possible pour les textes et le logo. L'atelier créatif a fini son travail, le travail a été validé, accepté par le client. On est dans un atelier maintenant de production et on reçoit ce document par l'intermédiaire toujours d'un document électronique, et on va récupérer le document du créatif de l'agence graphique. On va redisséquer finalement le document, le repréparer pour la production. Donc là, on découvre une machine à découper l'autocollant. Donc c'est une machine qui découpe directement dans la masse de l'autocollant qu'on lui introduit finalement sur le plateau. C'est une lame qui est précise au centième de millimètre qui découpe finalement dans la masse. Donc là, on va voir fonctionner la première machine en Suisse à base d'encre écologique. Surtout intéressant à dire vis-à-vis de cette machine, c'est aujourd'hui la machine en termes d'impression numérique la plus rapide au monde. Et qu'à notre connaissance, il existe 4 machines en Suisse, une seule en Suisse romande, celle-ci. On est dans le dépôt des TPG, donc où les véhicules sont immobilisés pour qu'on puisse réaliser ces véhicules. Et véritablement, on vient appliquer, on vient recouvrir et décorer avec des adhésifs, on vient emballer finalement le véhicule complètement en atelier. Comme on peut l'apercevoir, on est véritablement en train de positionner ce qu'on appelle les laits, donc les bandes d'adhésifs, sur le tram. Donc on prend des mesures, on dégraisse déjà en amont, donc on nettoie les surfaces et on présente des grandes bandes d'autocollantes qui sont posé avec une technique qu'on appelle la technique du portefeuille, en application directement à même le tram. Aujourd'hui, c'est l'application, donc c'est le recouvrement donc en différentes phases. Donc la première phase, dans ce cas de figure, est pour cette décoration-là particulièrement, parce que chaque décoration est un petit peu différente, bien qu'elle soit toute réalisée avec de l'adhésif. Ça, c'est important de le souligner, parce que c'est une question récurrente. On me pose souvent la question quant à savoir comment finalement sont réalisées ces trams. Donc c'est aujourd'hui, en tout cas, dans tous les cas, fait en adhésif. Ça reste d'ailleurs l'activité manuelle, la dernière activité manuelle de notre métier. C'est qu'on vient coller physiquement l'autocollant sur le tram.